Derrière le sourire affiché par Sophie Darel à la télévision se cachaient de nombreuses souffrances. L'animatrice qui était souvent aux côtés de Guy Lux à la télévision a vécu de nombreuses épreuves. Celle qui fête ses 79 ans ce samedi 1er juillet a été traumatisée dès son enfance, puisqu'elle a expliqué avoir été victime d'une agression sexuelle. Plus récemment, si estime sa santé qui lui a fait défaut. En vraie combattante, la star de télévision a survécu à 3 cancers, 2 du sein et 1 de l'utérus. J'effectue tous les ans des bilans pour surveiller qu'il n'y ait pas de récidive. À chaque fois je suis morte de peur. Aujourd'hui, tout va bien, mais j'ai toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, avait-elle confié en octobre 2021 dans une longue interview accordée à France Dimanche. Dans cet entretien, elle avait aussi évoqué ce qui était, au final, le plus dur à supporter, ne pas avoir d'enfant. J'aurais tant voulu avoir un enfant. En tant que femme, c'est très dur à vivre. Le temps passe si vite, avait expliqué Sophie Darel dans le magazine. La femme de télévision n'est pas seule pour autant. Elle est très entourée par Jack Anaclet, son compagnon depuis 4 décennies et ses deux chiens, Tommy et Scotty. Si estime évidemment avec son chéri qu'elle s'est rendue aux obsèques de l'actrice de scène de ménage, Marion Gayle, en mars dernier. Le genre d'événement qui lui rappelle qu'elle est passée pas si loin à plusieurs reprises. À 79 ans, son secret pour rester jeune pour ne pas trop laisser voir le temps qui passe, Sophie Darel a fait un peu de chirurgie esthétique, ce qu'elle assume à 100%. Le plus embêtant avec l'âge, si est-il d'avoir l'air fatigué. Pour avoir bonne mine, je me fais des injections. Je m'occupe de moi. Cela fait du bien au moral, et si est-il très important pour bien vieillir, avait-elle expliqué dans une autre interview accordée à France Dimanche en 2016. En 2019, lors de son passage dans l'instant de luxe sur Non Stop People, Sophie Darel avait reconnu avoir fait des petits trucs. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, agence.